Et bon, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une séance en anaérobie en groupe. Alors, je pense qu'il y avait quelques autres RGTistes qui vont nous rejoindre. Je dois juste rajouter la caméra. Et je voulais faire une intro. Hop, voilà, la caméra. Oui, à grande. Voilà, hop, on tourne ça. Désolé, je suis aveugle. Paf, voilà, parfait. Et on va se mettre dans un coin. Non, je ne veux pas que j'embarque tout. Paf, paf. Juste la caméra. On va se mettre là dans le coin, on va être bien là. Parfait. Donc workout d'une heure. Donc on va laisser le erg mode activé et bien sûr sur le parcours d'une des étapes du Giro à venir, donc de mai 2022. Et tout va bien. Alors attendez, parce que là du coup apparemment il fait n'importe quoi. Il a décidé de m'embêter aujourd'hui. Paf. Et donc là normalement ça doit, cette fois-ci ça devrait être bon. Ouais, là, on est bon. On est bon. Et donc, petite intro rapide avant que les autres nous rejoignent, juste pour parler de pourquoi on s'entraîne en vélo, d'un point de vue physiologie. Alors évidemment, quand on fait des exercices, on veut faire du muscle. Donc il y a des muscles pour les efforts rapides, il y a donc les sprints, il y a des muscles plutôt pour l'endurance, donc c'est des fibres différentes. Donc ça, en général, les gens savent à peu près comment ça se passe. Mais en termes de physiologie, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer en fait quand on suit un programme d'entraînement? Eh bien, il faut savoir que dans le corps, il y a une molécule qui est l'énergie qu'on va pouvoir donner à son corps. Ce nom, donc cette énergie, cette molécule, c'est l'ATP, adénosine triphosphate. Il y a trois groupements phosphates dessus. Et chimiquement parlant, quand on va casser cette liaison, ça va libérer de l'énergie qui va pouvoir être utilisée par les cellules. Et comment on la fabrique? Alors, le corps a plusieurs moyens de fabriquer de l'ATP. Soit de manière lente, mais très efficace. C'est ce qu'on appelle la voie aérobie. Donc, à tort parfois. On considère qu'elle n'est possible que quand il y a de l'oxygène, mais c'est pas vrai. Il y a une deuxième voie qui est la voie plus rapide, mais limitée dans le temps, qui est la voie anaérobie, où on va dégrader du glucose très rapidement. Et là encore, c'est pas vraiment une imitation par l'oxygène, donc il y a un mauvais nommage, mais à la limite, on s'en fiche un peu. Et il y a une troisième voie, bah, pour les efforts super super intenses, qui est basée sur la phosphocréatine, mais là c'est genre les efforts de quelques secondes, vraiment. Et pareil, il y a une déplétion très très rapide de la créatine, et du coup on n'est pas capable d'utiliser cette source d'énergie à long terme. Donc pour ce qui est des entraînements, en fait, ce qu'on fait ce que notre corps fait quand on fait un effort au-dessus d'un certain niveau d'effort, c'est qu'il va avoir besoin de beaucoup d'ATP très rapidement. Et la voie anaérobique est 100 fois plus rapide. Donc la production d'ATP par la voie anaérobique, donc juste on détruit du glucose et on forme de l'ATP et d'autres produits qu'on verra après, et bien ça c'est 100 fois plus rapide que le cycle qui tourne en continu, qui peut aussi prendre du glucose, mais aussi des protéines, ou surtout des acides gras. Et donc lui, donc on en parlera après, donc la voie aérobie. Et donc dans la voie anaérobique, qui passe, la limitation qu'on a, c'est que le glucose n'est pas en quantité illimitée dans le corps, il n'est pas non plus amené au bon endroit, donc aux muscles, etc., de manière immédiate et dans une quantité infinie,
Donc il faut habituer son corps à ne taper dans le glucose que quand il y en a vraiment besoin, donc pour les efforts intenses, et de pouvoir l'amener en quantité suffisante. Donc par exemple, pour traverser les membranes, il y a un certain nombre de transporteurs, on va dire, de glucose, qui peuvent être en nombre plus ou moins grand en fonction de votre niveau d'entraînement. Donc quelqu'un de très entraîné sera tapera moins dans le glucose pour les efforts lents, et va les conserver, on va dire, pour les efforts rapides. Il sera plus capable de les diriger, et surtout de les diriger vite, vers les muscles. Il sera très capable aussi de mobiliser le glucose qui est emprisonné à l'intérieur du muscle. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler du glycogène. Le glycogène, c'est une espèce d'arbre, un polymère de glucose, où vous pouvez couper des branches et à chaque fois ça libère un glucose. Donc ça aussi, c'est une source de glucose que donc à force de faire des exercices à haute intensité, on est capable de mobiliser plus simplement et plus efficacement du glucose. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce que le corps n'utilise pas que la voie anaérobique? Elle a l'air si rapide et tout, tout va bien, pourquoi pas? Et alors le truc, c'est que un glucose dans la voie anaérobique donne 2 ATP. Alors que dans la voie, on va dire, de base, qui est plus lente, mais la voie aérobique, un glucose va donner une trentaine, donc 30, allez, on va dire 36, 38 ATP. Donc la deuxième voie, c'est genre 40% de rendement, ce qui est bien meilleur que les moteurs de voiture, etc. Donc c'est vraiment une machinerie bien en place, alors que la voie anaérobique, c'est vraiment une voie de secours quand il n'y a pas d'autre source d'énergie à disposition. Et qu'il faut bien faire quelque chose pour alimenter votre corps. Et en plus, il y a des autres produits qui sont créés. Donc le glucose est transformé en ATP, mais aussi en pyruvate, qui va être lui-même transformé en lactate après. Vous avez sûrement entendu parler du lactate. Attention, le lactate n'est pas à l'origine des crampes et du sentiment de muscles qui brûlent. Donc ça a été un mythe pendant très longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le glucose est détruit par la glycolyse, donc la voie anaérobique, vous formez aussi des protons. Donc vous formez aussi du H+, et donc l'hydrogène libre, si vous voulez. Hydrogène comme dans pH, potentiel hydrogène, donc très acide. Et en fait, quand c'est très acide, l'enzyme qui catalyse la destruction du glucose pour fabriquer de l'ATP fonctionne très mal. Donc au bout d'un moment, quand vous avez trop utilisé la voie anaérobique, l'enzyme qui est censée continuer à détruire du glucose pour former de l'ATP ne peut plus fonctionner, elle n'est plus dans son environnement optimal, donc elle devient très très lente. Et du coup, la réaction s'arrête et on n'est plus capable d'exploiter cette voie. En plus des problèmes d'alimentation de ressources en glucose, etc. Et le lactate, pour revenir dessus, c'est très important. Je voudrais au moins que ceux qui entendent ça ici, le lactate est en fait utilisé également comme source d'énergie. Donc c'est plutôt un bon produit que quelque chose qui vous embête. La capacité et surtout le turnover, genre la rapidité à laquelle votre corps est capable d'exploiter le lactate, est aussi quelque chose qui est très malléable et très facile, bah facile, faut se faire souffrir, mais qui répond très bien à l'entraînement. Du coup, quand tous les exercices que vous faites à seuil, c'est donc anaérobie comme aujourd'hui, les exercices à seuil comme demain, le but c'est d'arriver dans des zones où la voie anaérobique va commencer à être mobilisée, il va y avoir du lactate à disposition, et vous entraînez votre corps à la fois dans la filière anaérobique, donc bien mobiliser le glucose, l'orienter là où il faut, etc., et traiter le lactate pour éviter qu'il s'accumule, et s'en servir comme source d'énergie en plus de la filière anaérobie. Donc ça permet aussi d'avoir une deuxième source fiable, on va dire, d'énergie qui peut être utilisée comme ça par le corps. Et donc j'espère que
comme première introduction. On peut en reparler demain, du coup, pendant l'exercice de seuil. Mais souvent, les exercices, souvent, c'est ça le principe, c'est que on a un seuil maximum, donc la VO2 max, etc., qui sont quasiment génétiquement déterminés. Mais en fonction, quand on augmente la difficulté de l'effort, on a, au bout d'un certain niveau d'effort, on a du lactate qui commence à arriver. Et on a un deuxième niveau d'effort, au-delà duquel le lactate vraiment explose. Et du coup aussi tous les autres produits dont ce qu'on disait, les protons, donc les hydrogènes de tout à l'heure, qui sont eux les vrais problèmes. Et donc tous les buts de l'entraînement, c'est de rapprocher le plus possible, donc de faire en sorte que le corps utilise toute l'énergie à disposition, donc le lactate aussi. Et donc pour quelqu'un de très peu entraîné, par rapport à la PMA, on va dire, le seuil à partir duquel le lactate augmente trop est à 50% de la PMA. Et pour un élite ultra fit, ce pourcentage peut aller jusqu'à 95%. Ce qui veut dire que lui, il va pousser trop fort, entre guillemets, très proche de sa PMA. Et tout cet écart, tout ce range qu'on gagne et qu'on essaye de gagner en s'entraînant, c'est ça qui permet de pousser longtemps les efforts, dans tous les efforts de 20 minutes, 1 heure, donc qui se traduisent au final par une meilleure FTP. C'est tout le gain qu'on a sur une meilleure oxygénation, une meilleure mise à disposition du glucose, une meilleure utilisation du lactate par le corps, afin de repousser le moment où, entre l'accumulation du lactate et l'accumulation trop forte du lactate, si vous voulez. Donc, qu'il y en ait un petit peu, c'est pas grave, tant que le corps est capable de le processer rapidement. Et donc, on est toujours en train de s'entraîner pour que tous ces produits soient évacués et ou utilisés pour former de l'énergie lorsqu'on s'entraîne. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent, souvent dans les plans d'entraînement, des exercices d'anaérobie pour entraîner votre corps à utiliser du glucose, le faire rencontrer du lactate, etc. Et des exercices à seuil, où on va avoir une proportion d'anaérobie, donc à seuil. C'est pas comme si on avait des seuils bruts où on passe de 100% anaérobie à 100% voie aérobique. C'est toujours un ratio plus ou moins important des deux filières qui sont exploitées. Ce qui se passe du coup dans les exos à seuil, c'est qu'on va essayer d'habituer son corps à bien réagir à une quantité non négligeable, mais pas trop importante de lactate, d'apprendre à son corps à l'utiliser et à former de l'énergie avec. Et donc c'est aussi pour ça que tous les exercices d'endurance fondamentale sont extrêmement importants. Parce que toute la filière aérobie est celle qui vous permet d'utiliser le lactate et d'autres produits des réactions anaérobiques. Donc bosser l'anaérobique sans bosser l'aérobique ne vous amène pas bien loin. En fait, parmi les deux crans qu'on disait tout à l'heure, repousser sa limite où on souffre trop, entre guillemets, est extrêmement difficile. La VO2 max est extrêmement rigide. Quelqu'un de très très entraîné, à la limite, on peut bouger de 10%, on va dire. Alors que, comme on l'a vu tout à l'heure, le moment à partir duquel la filière aérobique commence à se peiner à évacuer ou à utiliser le lactate, elle est extrêmement malléable et on peut doubler quasiment l'efficacité de la filière aérobique. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices de. Et c'est très important de faire des grandes sorties en endurance fondamentale, etc. Et moi, je vais me connecter. Je vais me connecter sur la course. C'est pas une course, hein, pardon. Sur le workout. Et on va se faire gentiment souffrir.
Et je vais aller là. Parfait. Le timing. Il a attendu la fin de l'introduction. Vais quand même lui dire, je sais pas s'il est en vocal ou pas. C'est comme il veut. Et je vais lui dire que s'il met le RG en off, qu'il faut aussi qu'il baisse la résistance. Parce que sur la boucle qu'on va emprunter, il y a des bosses. Une minute vingt, vite, mettre les gants, mettre du sel partout sur les lignes. N'hésitez pas du coup, oui, si vous avez des questions sur tout ce qui est biologie, entre guillemets, ça me fait plaisir de me replonger dedans parce que ça fait 15 ans que je l'étudiais. Parce que quand je l'étudiais, c'est bien grand mot. Ça faisait partie des cours que j'avais eu quand j'étais en prépa en biologie. Toi. Bonsoir. Ça Pour l'instant, ouais, ça va. Les 20 premières minutes, ça devrait aller. va? Je vais baisser un peu ton son, c'est un peu fort. Vais faire l'inverse, je vais le monter un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il est très très faible. Est-ce qu'il est là, monsieur? Ok, donc on a le RG direct là. Ça marche. Ouais, yes, il y a le RG direct. Et vaut mieux parce qu'il y a des boss sur le parcours. Ok. Bon, faut pas Et mettre du la coup, c'est ce que je résistance à disais, zéro. si tu mets le RG en off, baisse aussi la résistance parce que sinon il y a la boss qui va arriver. Ouais, logique, mais je me disais, même avec le RG, faut pas mettre la résistance à zéro. Je suis pas sûr. Ah non, mais le RG lui va suivre la puissance qui est demandée par le workout, donc il s'en fiche de la pente. Il va te demander de pousser sans Ok, ça roule. je sais pas combien de watts. Bon, allez, c'est Et parti. du coup, je m'étais amusé à me replonger dans mes vieux cours de prépa sur le métabolisme. Et du coup, je m'étais amusé à faire une mini intro et t'es arrivé pile poil à la fin, c'était Ah, chronométré. sur le stream. Yes, 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 yes. Parce que je me rends pas compte si les gens savent pourquoi ils font ça. Mais En termes voir que. musculaires, ils savent. Ah oui. Mais dans les intérêts, l'intérêt des gens de. Qu'est-ce que les gens essaient de repousser comme truc même d'où vient l'énergie, ce genre de choses. Alors la filière aérobique, ils ont déjà entendu les termes. Et exactement comment ça marche, je ne sais pas si les gens connaissent en général. Pourquoi c'est
C'est limité dans le temps, certaines sources d'énergie, des choses comme ça. Ah, je vois. Bon, je connais un petit peu parce que je me suis intéressé un peu à tout ça dans le monde par rapport à la muscu, si tu veux. Mais c'est vrai que C'est par bien, rapport ça au vélo, c'est. il y a des choses que je connais pas du tout. Par contre. Ouais. Après, ouais, course à pied, muscu, vélo, nage, tout ça, c'est toujours le même principe, On hein, retrouve un c'est. peu les mêmes concepts, mais il y a des choses qui changent quand même. Pas les choses qui sont différentes. Et du coup, tu dois faire maintenant partie des gens qui doivent savoir qu'il n'y a pas de blocage ou de genre les jambes qui brûlent, c'est pas l'acide lactique. Il faut Ah oui. arrêter avec ce vieux mythe. Ouais, moi c'est vrai, je fais partie des gens qui disaient toujours ça quand même, mais bon. Du coup, là, le circuit, c'est une boucle qu'ils feront pendant le Giro qui est de mai, là, de mai 2022, là, à Naples. Okay. Mais je pense qu'il Allez. serait. Du coup, je sais pas si j'avais expliqué. En fait, j'ai dû refaire tous les circuits parce que je peux pas me mettre en railroad. Parce que si je fais une railroad avec, genre, imagine, je fais bah, rien qu'avec toi, je pense, sur des trucs. Alors tu fais une sortie tempo ou un truc comme ça. Comme toi tu pousses plus fort que moi, bah tu m'entraînerais plus vite que ce que je pourrais jamais refaire. Donc si je me mets sur une railroad, je battrais tous mes PV. Ah oui, c'est celui qui pousse plus fort qui entraîne l'autre? C'est comme ça que ça Bah marche? c'est. On monte comme si. On monte à la moyenne des watts du groupe. D'accord, Donc c'est une si tu fais moyenne. une sortie à deux avec Mathieu par exemple, ou j'en sais rien. Donc si sur le plat lui pousse 400 et moi 200, bah, on avance à 300 et genre c'est un truc que je tiendrai jamais tout seul. Donc Ça marche, ça marche. si je fais Je savais pas, bourrello. je savais pas justement comment c'était calculé. Bon, en tout cas, Et je du coup je penserai à pense toi pour que les entraînements. l'ordre dans le groupe doit être à peu près. Aussi lié à celui qui pousse le plus fort. Donc là, tu pousses plus fort que moi, forcément, t'es une meilleure FTP. Du coup, t'es devant. Et je pense que du coup, si tu peux connaître le classement des FTP sur un groupe de 10, ça serait à peu près rangé, je pense. Ok. Mais ouais, je disais, je compte sur toi pour les entraînements, du coup. J'ai la flemme de me faire un plan d'entraînement. Du coup, c'est parfait. Voilà, la semaine 1, elle est tranquille, hein. Bah C'était fait après exprès pour. mercredi, Attirer les débutants. Et ouais. après, je vais voir s'il y a du monde qui s'accroche. À la limite, il peut y avoir une suite à la semaine 4. Le mercredi, pour l'instant, je peux pas tant qu'il y a la VRB. Après, potentiellement, ça, je viendrai. Ce qui manque dans le plan d'entraînement, ça serait. Bah ça, mais ça, les gens peuvent le faire eux-mêmes plutôt dehors. C'est des sorties vraiment tranquilles en zone 2. Eh ben, comment sur la T2 dimanche dernier, c'était bien sympa. On a fait, comme disait Philippe, un peu sur le Discord. On a fait une bonne partie bien tranquille. Bon, il y avait des moments où on était bien à fond, mais du coup, ça faisait vraiment un entraînement un peu dans toutes les zones. C'était bien sympa. C'est ce que j'ai fait ouais, sur les plus longues en fin d'année dernière. Quand je faisais le plan d'entraînement, je faisais quand même la T2. Et généralement, je faisais la moitié. Tant qu'il y avait des gens à peu près autour, je me donnais quoi. Et puis je finissais toute la fin en zone 2, zone 2, zone 3. Zone 2 plutôt. Du coup, c'est aussi mes premiers essais de Magic Roads. Donc c'est des trucs bizarres dans la route, c'est normal. Ok, ça marche. Et là, sur l'entraînement, tu conseilles de passer en danseuse pour les moments durs ou tout le temps rester assis, Bah justement? ouais, alors ça dépend un peu du home trainer. Genre j'ai un peu peur pour le mien aussi. Alors je pense que je vais enlever le RG avant les trucs de fractionner là. Surtout pour ceux qui durent genre 15 secondes, parce que le home trainer est pas super super.
Moi, ça marche bien. C'est juste que si je passe en danseuse, enfin, j'ai vraiment. Ton rampe test, je l'ai fait, je sais plus, samedi soir, je crois. Et je l'ai fait en étant totalement assis, tu vois. Et par Ouais, rapport à pour la ma rampe test, moyenne c'est de. normal, ouais, yes. Et par rapport à ma moyenne de FTP classique en course, bon, sur RGT, hein, ben j'ai perdu à peu près 20 watts. Yes. Et je savais que si je me mettais en danseuse, clairement les 20 watts, enfin, j'aurais fait un palier en plus au moins, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Yes. Mais parce que le ramp test, t'es pas censé sprinter. Genre, un test PMA, t'es censé pas à l'aise, mais t'es censé être. C'est plus un test de ta capacité respiratoire qu'un test en apnée, en fait. Ok. Mais du coup, ouais, pour les workouts, tous les sprints et tout ça, tu peux les faire et tu dois les faire même en danseuse. Ok. Bon, ça marche. Bon, bah, du coup, ça va être facile. Non, Et pour je le plaisante. fractionné, ouais, c'est pour ça. Et du coup, les intervalles de fractionné, c'est presque à titre indicatif. Alors c'est le minimum que tu dois tenir. Mais le but c'est de vider la batterie. Donc si surtout sur la dernière répétition, si tu peux donner beaucoup plus, bah vas-y. Donc les fractionnés, c'est les petites barres de 15 secondes, c'est ce que je disais. Les petites barres, et puis même la dernière plus grande, la celle qui. En gros, à chaque fois, la dernière, par exemple, donc tout ce qui est au-dessus de la ligne jaune de ta FTP. Ça marche. On va essayer. Et ouais, ça a l'air. Là, quand je regarde, en tout cas de vision, les barres qui dépassent la FTP, qui sont un peu plus larges, elles font combien? Une minute? C'est 1 minute, ouais, c'est ça. 1 minute, 2 minutes de repos. Et après, j'ai du mal Ok. à voir. J'ai l'impression que les quatre petites, elles sont pas de la même largeur. Donc, j'ai peur de me dire une bêtise maintenant. Mais. Je pense que c'est 15 secondes et 45 secondes de récup à chaque fois. Et Ça les plus marche. gros, larges, c'est 1 minute, 2 minutes. Bon bah c'est bien, faut que je travaille mes sprints, c'est parfait. Moi, je m'attendais à avoir un peu plus de monde, mais il y a des chances qu'ils aillent à l'OTR vétéran finalement. Yes, Vu que c'est c'est à ça, j'ai vu 2h30. des doubles inscrits. Sur les 6 qui étaient inscrits, il y avait 3 autres et 3 qui sont inscrits après à l'OTR vétéran. Ah, il n'y a pas de cadence. Ok. Du coup, tout à l'heure, tu disais que tu ressortais tes cours de prépa, mais t'as fait une prépa quoi du coup pour un. Prépa bio. D'accord. Parce que je me disais, les prépas que je connais un petit peu, ça m'étonnait de voir ce genre de cours. Beaucoup de chimie et forcément beaucoup de physiologie, biologie. Je vois. Ah, c'est cool. Ouais. Et à chaque fois que je voyais un truc, je faisais, ah oui, c'est vrai, je connaissais ça à l'époque. Je pense que les parcours qui seront bien, je les proposerai peut-être à Antoine. Yep. Bah celui-là, avoir le dénivelé, je me dis, il doit bien se faire. Le seul problème, c'est que le départ, il est sur une côte. Après le départ, il se bouche une boucle, donc il se bouche super facilement. Ok.
Enfin, c'est vrai que je me suis pas embêté, j'ai pris le départ de la boucle comme IRL. Mais genre ils viennent d'ailleurs, ils rentrent là-dedans, donc ils ont déjà roulé 60 km avant d'arriver dans cette boucle-là, tu vois. Ah, je vois. Un peu comme au championnat du monde, il y avait deux boucles et... Le sommet est à peu près bien fait aussi, il n'y a pas trop de... Il est à peu près lisse. Il n'y a pas des aiguilles n'importe comment. Là. Voilà, ici normalement, j'ai des chances de passer devant. C'est bon, tu me tires. C'est ça, la gravité fait son effet. Du coup, t'es à combien toi? Là, je me suis mis à 290 parce qu'en gros, Ok. j'utilise pas mal Intervals du coup. Et sur toutes les courses, en moyenne, on va dire, il me trouve entre 290 et 300. Donc, je me suis mis à 290, on verra bien. Et c'est pour ça que je te disais, Laurent, peut-être, il m'a trouvé 272 du coup. Ok, je vois. Après, pareil, le ramp test, j'étais sur la, sur le, comment ça s'appelle? Sur le palier 360. Et je me suis dit, vas-y, je vais au bout, je vais au bout. Donc je suis allé au bout. Arrivé au bout, j'ai totalement lâché. J'aurais pu faire un peu plus, mais sur le coup, je savais pas que Oui, dans parce le que tu calcul, je grades, ouais, pouvais c'est prendre. ça. Et en fait, mais en fait, ça joue pas mal même. Bah ouais, bah, c'est comme ça. Mais oui, je suis d'accord. C'est à chaque fois que je vois les gens. Il y en a qui disent, ah ouais non, j'arriverai pas à faire le palier d'après en complet. Alors que ouais, faire la moitié du palier suivant compte Ah, aussi, sur quoi. le coup, ouais. Bon, après, c'est pas grave, je le referai, puis voilà. En tout cas, Mais j'aime après, si beaucoup tu le. connais, après, si t'es habitué et que tu connais à peu près la valeur à viser, c'est beaucoup plus précis de faire un test FTP de 20 minutes. Ouais, mais c'est beaucoup plus dur. Parce En que fait, tu vois, c'est le un ramp test, j'en ai test chié à la fin, PMA mais arqué. je l'ai apprécié, tu vois. Ouais, yes. Et du coup, ouais, le ramp test, c'est un test PMA, en fait. Et après, il y a encore une approximation pour déduire la FTP à partir de la PMA, mais d'une personne à l'autre, la FTP peut être beaucoup plus proche ou beaucoup plus loin de la PMA, en fait. Ouais, après, comme je te dis, moi j'utilise Intervals et puis en moyenne, je vois que c'était pas trop mauvais parce que j'ai des. Enfin, les plus gros parcours où j'ai fait le plus de watts, ça doit être 55 minutes, j'ai dû faire un peu plus de 280 watts. Donc finalement, je suis pas trop loin. Et c'est des parcours où j'étais pas à bloc tout le temps, tu vois. Donc je pense qu'il y a moyen. Ouais. Bon, il y a moyen que je sois éclaté au sol à la fin, mais il y a moyen. Ouais, et du coup, 75% de la PMA, c'est même plutôt les débutants qui ont ça que des gens entraînés. Quand tu sais, quand tu fais le ramp test là. D'accord. Donc si tu prends quelqu'un d'un peu plus entraîné, que tu prends, j'en sais rien, 78 ou 80%, tu vas voir, les 20 watts, ils sont déjà aussi là en fait. Ouais, c'est possible. C'est juste que c'est beaucoup plus imprécis comme calcul, on va dire. Alors là, du coup, j'hésite. Allez, avec le RG ou sans le RG? En tout cas, on voit bien le switch des positions en fonction de la pente. Et j'aurais bien aimé aussi. Du coup, il n'y a aucun moyen de savoir les watts à pousser dans l'intervalle suivant. Si c'est
pour utiliser la. Enfin, avant, en tout cas, sur le téléphone, tu le voyais. Sans l'appli compagnon, ouais, voilà. Ah, sans l'appli compagnon, je sais pas, je pense pas. Ah, c'est parfait. Moralement. Tout poussé dans la descente. Quelle horreur. Et donc anaérobique, c'est au-dessus de 120% de la FTP. Donc pour moi, tout ce qui est au-dessus de 280 watts, c'est anaérobique. Je ne sais pas combien il. Sur 15 secondes, il y a moyen que ce soit au-dessus de 300 et quelques. Là, j'ai plus la résistance du home trainer. Il va plus le faire au feeling, on va dire. En fait, c'est beaucoup plus irrégulier. Allez, à tout à l'heure. Encore 40 secondes, c'est bon. Ouais, du coup j'ai enlevé l'ERG, c'est pour ça que c'est beaucoup moins stable la puissance. C'est quand même un bon Je vais le compteur laisser. l'ERG. Je vais le laisser, je pense. J'ai déjà fait des trucs comme ça avec, ça a marché, donc on verra bien, mais. Du coup là on arrête de parler. On a bien rigolé jusque-là. Alors combien? Attends. Bon, naturellement, la cadence, elle monte. Hein. Allez, premier intervalle passé. Il est passé. Il. Le problème par contre de l'ERG là, c'est que pour monter plus, effectivement, si tu l'enlèves pas et C'est que tu ça, montes ouais, pas les voilà, c'est rappels. ça. C'est Ouais. exactement pour ça que je suis enlevé. Pour ici maintenir, même sur 15 secondes, le mien. C'est juste si tu veux donner un peu plus que l'exercice, tu peux pas.
Quand ça va, faudrait un truc qui désactive le RG, quoi. Et ça faudrait un bouton. Non, mais genre dans le training, ça le désactive. En changeant les watts, ça désactive le RG. Puis à la fin, ça réactive. Ce serait pas mal. Bon, prêt à en chier sur une minute. Oui. Là, je vais remettre le RG, je pense. Ça ne va pas comme ça. Ça va, c'est vraiment faisable celui-là. Il n'y a pas trop de répétition. Oui, je pense. Ça tue quand même, mais bon. Ah oui, on peut se faire mal. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, dans le sens là, tout le monde peut le finir. Donc ça, c'est typiquement la phase qu'on expliquait tout à l'heure. Le circuit anaérobique est coupé. Il faut vite, 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 le corps récupère du glucose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer avec l'entraînement. Et la voie normale, on va dire, anaérobique, un peu plus lente. Et le poids, etc., tous ces organes-là, s'occupent de perdre de l'énergie avec le lactate qu'on a fourni pendant les intervalles. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'améliore avec les entraînements. Donc on bosse autant maintenant que quand on pense. On essaie d'être gainé aussi. Pour que le haut du corps bouge le moins possible. On essaie de pas trop forcer sur les genoux.
avoir un bon coup de pédale rapide. Un des marqueurs. En fait, on a l'impression que on a le pied un peu lâche dans la chaussure. En tout cas, les premiers intervalles, on a bien exposé l'objectif. Il y a d'autres choses évidemment hein, que l'entraînement va améliorer, le volume musculaire, l'oxygénation des muscles, tout ce genre d'amélioration que vous pouvez retrouver, ça se traduit en prenant son souffle plus vite, on a moins besoin de forcer au niveau cardiaque pour produire la même puissance. Ah, le sprint en descente, c'est quand même un grand moment. Pour ceux qui se demandent mon FTP, c'est 225, qui est la moyenne entre la meilleure course d'une heure. J'ai jamais vu 225, j'ai toujours vu 216. Et ce que Intervalle estime sur mon meilleur 20 minutes, qui est à 235. J'ai fait la moyenne. Allez, la dernière minute, c'est fini. Ouais. Allez, 205, il va faire mal aussi. Allez. On est gainé, plus fort. D'ailleurs, mon avatar ne se double absolument pas. Et donc, on va travailler juste en dessous du seuil. Voilà. Et donc le prochain intervalle, on travaille juste en dessous du seuil. Et comme ça, la voie normale, lente, aérobique, processe le lactate et on refait de l'énergie. Ok. Et là pour l'instant, je refais du souffle. Donc tous les exercices à seuil et compagnie, c'est pour amener la FTP aussi proche que possible de la PMA. Et...
Mais si jamais tu pousses un peu fort et que tu fais du lactate et compagnie, et ben la voie métabolique lente puisse l'utiliser aussi vite qu'il arrive. Et ben, le principe. Allez, on continue. Hop. Du coup, pour ceux qui se demanderaient, oui, alors on pousse des watts différents. Le workout s'adapte au niveau de chacun. Il est fonction de la FTP qu'on a rentrée, donc la ligne jaune. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à un moment donné la FTP à Joël. Donc, la sienne était à 290, la mienne à 225. Donc, là, par exemple, je dis pas de bêtises. Donc là, on est à 90% FTP. Donc lui, il est à 260 watts et moi à 203. Mais nos avatars tiennent ensemble. C'est le symbole infini à côté de nous, là. C'est une bande élastique en caoutchouc pour symboliser que nos avatars sont collés comme un groupe uni. Et on avance à la moyenne de FTP du groupe. Et là, on avance comme si on poussait 230 watts, tous les deux. Donc moi, je le ralentis. Et lui, il m'accélère. Mais en relatif, par rapport à ma capacité, on est tous les deux exactement sur un pied d'égalité. On se crame tout pareil. C'est mon 90%, c'est son 90%. Donc ça permet à des gens de niveaux différents de ne pas être éparpillés aux quatre coins de la carte et de se motiver à forcer ensemble. À un niveau plus macroscopique, on va pleinement servir évidemment à renforcer l'endurance musculaire, la force de vos articulations, votre gainage. Et tous ces efforts aussi, ça se transforme en plus de vitesse, plus de puissance. Pour les événements à venir, ou juste une meilleure santé, ça compte aussi. Salut, je sais pas si vous m'entendez. Salut Rico. Ouais, salut, ça va? Ouais, vous êtes à l'échauffement? Alors, on est bien échauffé là. Entraînement, entraînement. Ah, vous êtes à l'entraînement? Oui, c'est à 19h. Oh merde! Je crois que c'était 20h, moi. C'est le mercredi, 20h. Oh putain, le con. Bon, bah, du coup, j'ai loupé. Tu veux que je t'en remette un après, à 20h30, un truc comme ça, quand j'ai fini? Non, 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 c'est pas grave. Toi. Ok, ok. Ah bah merde, ouais. En fait, je voulais tout mettre à 19h. Mais le mercredi à 19h... Il y a déjà l'entraînement RIAC. Donc je me suis dit, oh, je vais décaler quand même. Mais du coup, j'ai décalé un des deux. J'ai pas toujours envie de commencer à 20h. D'accord. Est-ce que j'ai... Bah désolé, ouais, du coup. Je vais peut-être mettre un petit reminder. C'est moi qui ai dû faire attention, j'ai pas fait attention.
En tout cas, ça marche bien. Et le circuit est sympa, je le proposerai peut-être à Antoine pour les classiques. Ouais, pour l'instant, il est bien. Et quand vous faites ça, du coup, vous mettez en mode RG alors? Alors, il y avait un débat justement. du coup, le mini doute qu'on a, c'est sur les petits intervalles. Apparemment, alors, Joël et moi, les home trainers, ça va à peu près. Au niveau. Il chope assez vite l'intervalle. Donc, même s'il fait 15 secondes, ça va. Mais si jamais dans du fractionné, tu veux pousser un peu plus fort que ce qu'il te demande, bah, t'es bloqué par le RG. Il va adoucir la résistance tellement fort que tu vas mouliner dans la choucroute. D'accord. Donc du coup... Ah bah t'as rejoint. Ouais bah je rejoins quand même. J'étais inscrit. Mais je sais pas pourquoi. Tu recommences au début là ou t'en es où? Non, je suis avec vous. Ouais mais sur l'intervalle de... Je pense qu'il est comme nous, il a au milieu des deux boss. Sur l'entraînement, t'en es où là? Dans quel... Là, je suis mon point, il est quasiment à la fin du parcours. Ah, d'accord. Mais je pense que Joël, il te demande au niveau de l'entraînement. Genre là, dans l'intervalle, il te reste combien de temps à faire dans l'intervalle? Dans l'intervalle, ah bah il me reste tout à faire. En fait. Ah, donc il te remet au début? Ouais, il m'a remis au début, d'accord. Ah oui, en haut, je vais pas faire gaffe, oui. En haut, Ça, c'est marrant, du coup. Ah, c'est pas mal, du coup. Du coup, je peux le faire, là, maintenant. Du coup, il y a moyen, je sais pas ce qui va se passer. À la limite, moi je quitte pas, hein, je peux laisser mon avatar sur la ligne, y a pas de souci. Parce que je sais pas ce qui se passerait si on quittait Joël et moi. Bah je pense que toi... Non mais, tant qu'il est en ligne et que le serveur est en ligne, normalement je pense que c'est bon. Parce que là, moi j'ai rien touché du coup au niveau de RG, j'ai rien mis, j'ai pas bougé la dualité de mon entraîneur, donc je laisse tout comme ça. Ah, en vrai, c'est bon à savoir, hein, si ça marche comme ça, c'est cool. Et du coup, il faut que je suive le. Quand je suis en vert, je suis bon. Quand tu me demandes d'être en rouge, enfin, dans les 230 watts, 237, c'est ça? Bah, c'est fonction de FTP, donc ouais. Ok, ça marche. Celui-là, j'ai pas l'habitude. Hein. Non, mais pas de souci. Du coup, c'est relatif ouais. À chacun. Genre, moi, typiquement, là, l'intervalle où on est, c'est moins 50%. Mais je dois pousser moins de watts par exemple que par rapport à Joël. Lui, il est à 150%. Mais... Ah, je suis à peu près comme Joël, apparemment. Donc, je vais voir ce que ça donne. Bah, du coup, ça va me permettre d'essayer. Du coup, en fonction des home trainers, il y en a qui répondent à un chouïa lent. Du coup, la petite surprise que tu vas peut-être avoir, c'est les 4 premières barres de 15 secondes. Là. D'accord. Ah moi j'ai un Néo 1 comme Mathieu. Hein. Ah. Bah vu son dernier compte rendu d'entraînement. Donc là moi il me demande de faire l'échauffement à 132. Ah c'est ça. Bah, parce que du coup c'est 50% de ta FTP. Donc, ça doit être 265 ou 264 FTP. Ouais, la dernière, là, elle s'est mise à 264. Ouais. Le truc pénible, je trouve, c'est que les petites barres, tu peux pas savoir à l'avance combien de watts ils te demandent. Sauf si tu as la nappe à côté. T'as la compagnon, non. Ouais, les 4 petites tioles, là, ouais, c'est vrai qu'ils ne m'en voient pas. Même celle d'après, apparemment, ils ne demandent pas, je vois pas. Celles qui sont un petit peu plus importantes. Bah attends, on peut s'amuser, ça se calcule. Ils sont 40% de ta FTP, donc sur 50%, donc tu fais point et demi. Donc c'est 400 watts pour toi, juste un peu en dessous de 400 watts. D'accord. C'est facile, c'est 130 plus 260. 400 watts, c'est pas le problème, c'est... Vu qu'il y avait déjà 150%. Voilà, c'est ça.
Quand on est dans le vert, on est bon. Dans le rouge, faut monter. Dans le bleu, faut descendre. Ouais, c'est assez simple. Ouais, c'est ça exactement. Et là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de cible de cadence, mais il y a des workouts où il y en a. Donc, Mais alors, ça donne une indication en gros. du coup, je vois qu'il y a l'élastique. Comment ça se fait? Bah là, on va voir dans une. Bah, c'est fait exprès. Là, c'est pour qu'on ne soit pas éparpillé aux quatre coins de la map. D'accord. Du coup, là, on va voir justement ce qui se passe. Parce que là, dans 45 secondes, nous, on va avoir un intervalle où on va pousser plus. Et normalement, tu devrais être amené avec nous. Je devrais rester avec vous malgré que je garde mes. C'est Ça, ça ça, yes. Ok. Parce qu'on avance normalement, si je me rappelle, si c'est à peu près ça le principe, on avance à la moyenne de puissance du groupe, par contre. Et là, vous êtes à quelle partie, vous, là, du coup? Bah, ça fait 45 minutes, donc on est dans la dernière intervalle. 90% d'FTP, bon, avant la fin. Voilà, là on avance plus vite. Donc normalement on doit t'embarquer avec nous. Si la vie est bien faite, tu viens avec nous. Apparemment, ouais, je suis resté avec vous. Il est pas si court que ça, hein. Là, une boucle, c'est long, hein, Ouais, quand même. 19 bornes quand même. Avec le dénivelé, ça prend un peu de temps, je pense, hein. Du coup, Joël, Antoine, il va nous mettre 4 tours de circuit. Ah. Donc ça, tout ça se fait sur 1 heure alors. C'est C'est exactement ça. 1 heure, ouais, tout à fait. Demain, c'est 45 minutes, je crois. Ah mais demain, C'est je fais la ça. Ouais. VRB. Ouais, Joël, pareil, il fait la VRB aussi, ouais. Ouais. Du coup, là, je ne le vois plus dans les roues, mais il va être juste derrière. C'est ça. Et du coup, la PSS en bas à droite mesure l'effort. 1 heure à votre FTP vous donne une PSS de 100. Donc là, la PSS attendue était de 62 au bout d'une heure. C'est une mesure de fatigue ou d'effort, comme vous voulez. Une séance en dessous du 9, pardon, une séance en dessous de 100, voire 150, est une séance que vous pouvez faire plusieurs jours d'affilée sans problème. Vous avez le temps de vous reposer entre. Alors après, faut pas toujours taper sur les mêmes voies métaboliques, faut pas toujours Autour de taper ce sur les mêmes circuit-là, muscles. ça pourrait faire un bon parcours pour la T2. Ouais, c'est vrai. Ah, ça peut le faire, hein. 4, ça commencerait à faire beaucoup quand même. Faut juste pas mettre le point de départ là où il est actuellement. Il faudrait bouger la ligne de départ. Ouais, c'est ça.
Et donc c'est pour ça que l'idée pour l'alternance. Aujourd'hui on fait de l'anaérobie, demain on fait du seuil. Samedi matin, tempo seuil. Donc on visite des gammes différentes. On essaye de pas coller deux jours d'affilée de la même chose. Et l'anaérobique, c'est tentant. Donc faut pas en faire plus de deux, maximum trois par semaine. Surtout des vraies séances avec un peu plus de charge. C'est taxant mentalement, mais aussi au niveau des réserves. On crée aussi des résidus qui peuvent être toxiques dans votre corps. Eh ben, il est bien calibré pour une première, c'est bien. Et du coup, toutes les semaines, la charge augmente. Donc aujourd'hui, c'était simple, demain c'est super simple. Et puis mardi, mercredi prochain, c'est un peu plus dur, etc. Dans trois semaines, donc la quatrième semaine, ça sera un peu plus costaud. Donc t'en fais deux par semaine pour l'instant? Oui, oui, c'est ça. Je peux te regarder d'ailleurs si je continue. Toujours mardi, mercredi, ce genre d'exo, d'une heure le soir, c'est bien. Le samedi matin, il y a endurance, genre tempo avec un peu de seuil le samedi matin, et pendant deux heures. Il y a une séance aussi le samedi soir, je verrai en fonction sur laquelle je me mets. Et je préfère augmenter la charge que d'augmenter le nombre d'entraînements par semaine. Ça marche. D'accord, ouais, donc t'en as quand même mis un le samedi, quoi. C'est ça, il y en a trois par semaine, c'est ça. Ouais, je vais le samedi, bah, je ne pourrais pas tout le temps, mais théoriquement, je pense que je passerai dessus. Ouais. Ok, ok, bah, pas de soucis, hein. De toute façon, c'est ce que je disais. C'est... Moi, je le fais de toute façon, donc s'il y a des gens qui veulent se joindre, je trouve ça plus sympa. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr que c'est mieux à plusieurs que tout seul. Là, typiquement, s'il n'y avait pas Joël, je pense pas que j'aurais fait... au-dessus des intervalles pour rigoler. Ah, du coup, là, Eric, on compte sur toi pour nous tirer, là, parce que nous, on est en repos, là. Ah, mais je suis là, je suis toujours à 130, ou alors. Eh ben, nous, pareil. Si j'accélère, toi, il me dit de baisser, je suis à 150, il me dit de baisser, alors. T'inquiète, tu vas bientôt accélérer. Ouais. Et du coup, une fois qu'un intervalle est terminé, il te met vert si tu l'as bien fait. Et des fois, il te met rouge. Soit c'est t'as pas mis assez de watts, mais il te met aussi rouge si t'as mis trop de watts. D'accord. Bah, de toute façon, je vais voir déjà comment se comporte le home trainer. Le home trainer, si... Parce que je sais que je le faisais sur Zwift, je l'avais fait. Ça n'avait pas trop mal. Mais là, j'avais fait, c'est la première. Alors, si vous avez mis le grand plateau ou si je l'ai pas mis, moi j'essaie d'avoir une ligne du chêne. Moi je reste sur le petit plateau dans l'idée où j'essaie de l'user parce que le grand plateau je suis le temps de dessus normalement. Et ouais, normalement ton entraîneur a assez de résistance pour même si tu mets sur le plateau du milieu ou petit plateau. Ouais, ouais, bah oui, c'est pour ça que je suis resté sur le petit. Ouais, je suis pas inquiet. Avec le 11 normalement. Ah bah même pas en fait. Enfin, en tout cas avec mon home trainer je pourrais me mettre tout à gauche, il aurait assez de résistance. Je pense que le tien aussi. Hein. Si c'est un home trainer assez haut de gamme, pas de soucis. Oui oui c'est le Neo 1, c'était le haut de gamme à l'époque alors. Ok, bah je connais pas trop Tactics, donc je sais pas mais. D'ailleurs ça fait moins de bruit aussi. Ouais la prochaine fois je me mettrai aussi sur le petit, t'as raison, en plus ça fait 10 fois moins de bruit.
Ah, c'est avec Antoine, le peu de fois où on l'a fait, on s'est dit, bah, on se met petit plateau, comme on l'utilise peu, comme ça va l'user. Et surtout, ça va préserver le grand. Ouais, comme ça, quand tu auras changé, tu changeras le petit et le grand. C'est ça. Sera tout en neuf. Du coup, ça c'est pour Eric. C'est une boucle qu'ils vont faire dans une des étapes du Giro. Ils vont la faire 6 ou 7 fois, je crois. Sur une des étapes dans Naples. Et samedi, c'est les 90 derniers kilomètres du Het Nieuwsblad. Je sais pas comment ça se prononce, là, le truc. Et qui aura lieu en vrai aussi le samedi. C'est pour ça que je me suis amusé à faire la course le même jour. Ah ok, bien, cool. Bonne idée, hein. C'était histoire de m'amuser aussi avec les Magic Road. Parce qu'en fait, là, du coup, désolé, hein, je répète un peu, mais tu Oh, peux pas t'inquiète. mettre de Rail Road avec un truc avec l'élastique. Parce que comme ça tire à la moyenne, là par exemple, un groupe comme ça où vous êtes plus fort que moi, si je faisais ça sur Borrego ou un truc comme ça, je me ferais entraîner à des vitesses que moi je peux pas atteindre tout seul. Ça faut ça tourne. Ouais, je Et comprends. du coup, ça choperait tous les PB, tous les meilleurs temps de la carte. Genre, si tu mets sur le Huven ou un truc comme ça, sur Louvain, là, bah, typiquement, j'aurais tous mes records qui seraient établis par le groupe, si tu veux, et pas par moi. Ouais, c'est sûr que c'est pas. Après, c'est pas valorisant pour toi aussi, en plus. Bah, c'est ça, et puis tu sais, ouais, j'aime bien quand on fait des group rides ou des courses après ça sur les parcours, de savoir à peu près combien de temps je vais mettre pour monter le truc. Et si tout est faussé, c'est un peu bizarre, t'as pas tes points de repère. Là. Et du coup, il y a des fadas qui s'amusent à faire, genre, je sais pas moi, les 50 derniers kilomètres ou les 90 derniers kilomètres de chaque étape du Tour de France sur RGT ou. Ça n'a Non, jamais pas été moi en tout cas, proposé? mais. Ah, ça pourrait, hein. Tu refais. Ça, tu refais toutes les étapes du tour. C'est ça, tu le fais la veille ou le matin, j'en sais pas. En même temps. Et plus vite que. Tu demandes à Cops de venir t'aider, c'est bon. À dimanche dernier, il n'y a pas eu de pub sur le Discord français. Mais ils s'amusaient à essayer de faire le plus de kilomètres possible en 2 heures là où. Si, si. Et il y avait Cops justement. Ouais, Moyenne j'ai de vu, ouais, mais il n'y avait pas de 328 watts. français. 328 watts de moyenne sur 2h04 pour faire les 100 km. Ils ont essayé de faire ça. Ah non, c'était à quelle vitesse ils arrivent à faire 100 km ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ils ont mis 2h13 ou. C'est pas 2h04? Ah, peut-être plus. Je sais plus. Ils ont commencé à faire déjà là. Ils avaient pris un anneau super large pour qu'il n'y ait absolument pas de tournant. Donc ils ont fait 50 tours d'un anneau quasiment droit, tu voyais à peine le tournant. Dans 1 minute 30, j'attaque les intervalles. Et un truc qui est bien aussi, avant quand tu finissais un workout, hop, ça te dégageait de la carte. Alors que maintenant, le workout se termine et il te laisse sur la carte. Donc si tu as envie de continuer ou quoi, c'est cool. Ouais, si t'as envie de refaire une demi-heure derrière, tu peux, quoi. Ou si tu veux te faire un workout sur un parcours que tu connais et qu'à la fin des workouts tu veux juste finir le parcours. Quand c'est une boucle, c'est un peu moins d'intérêt, je suis d'accord.
Voilà. Et donc la fin du premier workout. C'est effectivement beaucoup plus sympa. Par contre, je vois sur l'écran de gauche, il ne demande pas la fréquence de pédalage. Ouais, c'est ce que je disais. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des workouts où ça va apparaître et d'autres pas. Je ne sais pas ce qui fait que des fois ça c'est venu et des fois pas. Bah, je pense juste que dans la programmation du workout, des fois il le laisse libre en fait. Allez, c'est parti, il me demande 381. 15. Bon courage. Ah, je te vois me doubler, j'ai envie d'accélérer. L'intérêt de partir ensemble, c'est que quand tu es en train de sprinter à fond, tu avances plus vite que 17 km/h quand tout le groupe sprint en même temps que toi. Là, t'as deux poids morts accrochés à ta selle. Ouais. Bon, je pense que le premier, je l'ai pas réussi. Je regarde la fréquence de pédalage que j'ai. Je me fie à ça. Donc, je suis en rouge, donc c'est pas bon. À la fin de l'intervalle, au milieu, il te dit ça fait X watts sur X demandé. Donc tu peux voir aussi si tu étais beaucoup trop au-dessus ou en dessous. Ah, c'est pas. Bon, bah, on peut dire qu'à arriver à la fin de l'entraînement, qu'il était facile en fait. Ouais, ça va. Alors, je disais pas pareil à la toute fin du dernier intervalle, mais. C'est ça. Mais il était faisable, complètement. Mais t'inquiète, ça va augmenter chaque semaine. Ah oui, donc l'élastique continue ad vitam. Donc là, le workout est terminé, mais on est toujours en élastique. Le RG s'est désactivé, ça y est. Yes. Mais on est toujours des poids morts dans la moule. Direct. Okay. Bah, du coup, j'espère qu'en déconnectant, ça va pas déconnecter Eric. Normalement, non. Mais... Je vais rester sur Discord. Au moins on le sort, on le sort. Yes. Neuf secondes. En fait, qu'est-ce qui est bizarre là? Enfin, je vais te le dire après. Du coup, bonne soirée à tous. Moi, je vais rester avec les autres, mais je vais couper le stream là. Et à demain pour du seuil. Yes, tout à fait, du seuil. À 20h, quand tu demain. Déconnectes, et à on l'VRB, est une grosse course demain aussi. Alors, est-ce qu'il y aura un truc bizarre en fait? C'est comme s'il y a de la.